C'est bon, on m'a ouvert la porte, suite du room tour. Un magnifique salon avec un piano. Ok. Avec une magnifique télé, des lampes, un fauteuil. Hey! La suite du salon. Un magnifique salon de jardin. Le jardin et la piscine. C'est trop beau. Maintenant, je vais vous montrer les chambres. Ah mais non, j'ai oublié, il y avait une cuisine. Bon, c'est un peu le bordel parce qu'on est tous des gros. Petite cuisine, petit frigo de chez Château d'Axe et des frigos et tout là, enfin bref. Là, on va dans les chambres. Une petite salle de bain. Deuxième salle de bain. Petit vase cassé. Troisième salle de bain. Le magnifique dressing de Kylie. Oh my god, y'a rien, on n'a pas de vêtements. Une chambre et une méril. Une deuxième chambre avec vue. Ah, sur le soleil. Ça fait vraiment les tuches. Montre le résultat. Mais non, c'est trop moche. Viens ici. Ah, peut-être c'est moche. Viens ici. T'aimes pas? Non, c'est moche. Je peux décorer tous les sapins de France avec ça. Tout le monde adore ça, c'est beau, il y a des paillettes. Non, j'ai envie de l'enlever. En plus, on va au resto, je peux pas rester comme ça. Tu m'as dit décoration de Noël. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais... Allez, c'est bon. Je comprends. C'est bon, c'est moche. Ah, d'accord. Tu n'es jamais content, donc maintenant tu tires la chasse d'eau et tu vas dormir. Mais le papier toilette. N'importe quoi. Tu es une mère, littéralement, ma chérie. Arrête ton cinéma. Parce que quand t'es une queen et que tu vois une magnifique voiture, tu montes dedans comme si c'était la tienne. Et tu démasses. Musique. Quand t'es une queen et que tu viens de te réveiller, tu vas directement dans ton frigo chercher. Eh oui les amis, vous êtes bien sur Gulli, oui, ça fait pas longtemps qu'il est avec nous, avec Benoît Chevalier, les amis, il est là. Ouhouhou. Non mais non, ça va pas, on coupe, ça suffit. Et toi tu sors de chez moi, hein? Tu sors, mais vous sortez, mais oh, on est pas au Club Med. Allez, bye Dubaï, hop, on coupe tout, salut, hein. Moi je vais me recoucher, c'est ouf ici. Moi je comprends pas, ma pote elle a acheté des piñatas. Une il y a ma carte bleue, dans l'autre il y a de la farine. Et dans une, bah je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Dans l'autre elle est vide comme ton cerveau. Ouais. Mais ça. On n'est pas dans Koh-Lanta hein, mais bon. C'est pas mes yeux, c'est mes sourcils. Je casse avec ça ou avec ça? Ouh. Ah, il se passe quoi? Ça se casse. Ah, 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 ma carte bleue. Ma carte bleue. Pas, je fais que voir dans mes pour toi, ils versent de l'eau dans la tasse et ils font vra. Et là, ben, il n'y a plus d'eau dans la tasse. Mais ben, du coup, on va essayer maintenant. Mais ça va pas ou quoi? Tu devais boire l'eau. Mais tu m'en as mis partout, Benoît. Et toi? Moi, je comprends pas. Est-ce que vous connaissez ça? C'est un truc qui fait hyper des sensations. J'ai hyper peur. C'est trop bien, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu des trucs comme ça. Viens là, toi. Les yeux blancs. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce truc. Moi, je comprends pas. Pourquoi vous faites que manger votre calendrier de l'Avent avant l'heure? Aujourd'hui, on est le 1er décembre, donc je mange le 1er. Voilà, donc là, j'ai ouvert le 1er, j'ai une petite étoile. Rendez-vous demain. Mais tu fais quoi, là, Benoît? Je vais chercher le numéro 23. Mais t'avais pas dit que c'était un par jour? Montre-moi ton calendrier, montre-moi-le. Il a tout ouvert. T'as pas été sage, donc t'auras pas de cadeau pour Noël. Quand t'es une queen et que les enfants n'ont pas été sages, tu prends directement le sapin et tu le jettes par la fenêtre. Vas-y, moi, je comprends pas, Père Noël. Comment tu fais pour livrer tous les cadeaux à tous les enfants du monde en un seul soir? Eh ben ça, cette question, la petite amie, ben, je ne suis pas prêt d'y répondre car c'est un secret. Car j'ai mes secrets. D'accord, et moi j'ai été sage cette année? Oh là là, tu sais bien que non. J'ai fait des bêtises? Tu n'as fait que des bêtises. Même si je deviens sage? Ben écoute, tu peux peut-être te rattraper. J'ai une petite place pour un nouveau lutin. Et je trouve que tu as les oreilles adéquates pour... Je suis un lutin! J'ai des oreilles de lutin? Écoute, tu ne peux pas être joli partout, hein. Merci. Quand
Mais tu n'utilises pas le marteau pour faire ton record. Tu le poses par terre, tu montes directement sur la machine. Nakamura? Oh. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui en direct pour l'élection de Miss TikTok France 2019. Je vous laisse tout de suite avec les Miss. Veuillez accueillir tout de suite la Miss numéro 1, Adèle. Veuillez maintenant accueillir la Miss numéro 2, Quelles sont vos motivations pour devenir Miss TikTok France? Alors moi j'adore la mode, hein, c'est pour ça que je suis pour la cause de la vraie fourrure animalière. D'ailleurs ça c'était mon chien Pookie. Oh. Les gens croient que le luxe ça ne vaut rien, mais moi je suis pour la cause. L'argent, le luxe, les belles voitures et l'argent. Quelle Miss TikTok France sera élue cette année? Votez 1 pour Abdel, votez 2 pour Benoît dans les commentaires et le résultat sera posté en ligne ce soir sur TikTok. Vous avez tous voté pour votre Miss TikTok France préférée. La réponse est dans cette enveloppe. On va tout de suite découvrir le résultat. Attention, j'ouvre l'enveloppe. J'ai déjà le nom du gagnant qui a gagné. Et c'est Benoît, la Miss numéro 2. Nous allons tout de suite lui remettre la couronne. Merci de m'avoir élue. Grâce à vous, je vais pouvoir m'acheter un nouveau téléphone parce que j'en avais pas assez. Moi je comprends pas, c'est quoi le problème avec le fond de teint? Je peux même pas faire la bise à mon pote, il est noir et moi je suis blanc, regardez le résultat. Ok, simulation. Oh, salut Abdel, tu vas bien? Et voilà, je suis partie en Guadeloupe, j'ai même pas pris de vacances, c'est normal? C'est quoi ce délire? Faites des fonds de teint qui font pas de traces. Mais attends, j'ai une technique, regarde. Hein, la poudre c'est le secret magique. Stop, grâce à cette boule de cristal, je sais exactement ce que tu es en train de faire. Maintenant, démonstration. Je me concentre. Je vois actuellement que tu as 3 doigts derrière ton téléphone. Je vois aussi que ton petit doigt soutient ton téléphone. Là, je vois que le nombre dans les commentaires, tu ne l'as même pas lu en entier. Et tu n'avais pas vu non plus qu'il y avait une lettre dans ce nombre. Ensuite, je sais actuellement que si tu cliques sur la petite flèche en bas, que tu cliques ensuite sur SMS, tu ne me vois plus. Bye! Arrête! Mais c'est juste?